membres du Bureau national de la justice Maurice, les présidents locaux, les membres de la GCI, les amis de la presse, mesdames et messieurs. Soyez les bienvenus pour le lancement du final des Outstanding Person Awards de Messaros. Nous passons maintenant la parole au président national de la justice Maurice, M. Fachan Nara, pour son message de bienvenue. L'Ordre de la ville de Pauli, Madame Dorine de Pauli, membre du Bureau national de la défense de Maurice, membre, sénateur, membre de la presse, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Madame Dorine, bienvenue pour le lancement de la compétition du Bureau national de la défense de la GCI Maurice de 2014. La GCI est une organisation mondiale de près de 200 000 jeunes citoyens actifs. L'organisation est née de la vision des hommes il y a plus de 90 ans. Henri Saint-Germain a décidé de prendre la responsabilité pour le progrès du bien-être de sa communauté en aidant à s'attaquer aux problèmes difficiles de toute vie. Avec 32 autonomes, le Saint-Germain a créé la première organisation locale de l'EDC à Saint-Louis aux États-Unis en 1915. Les membres de la première organisation locale se sont consacrés à apporter des améliorations communautaires et l'autonomisation des jeunes pour que les défenses soient positives. En 1944, le mouvement s'est propagé à travers huit pays. Lorsque les délégués de ces pays se sont réunis en discours lors de la conférence interaméricaine, ils ont décidé que les étangs devaient former officiellement un jeune temps international. Cette tradition, profondément enracinée de réunir des citoyens actifs de divers régions, reste vivant aujourd'hui dans nos événements internationaux. Il alimente le mouvement du pays et jette les bases pour créer un changement politique qui transcende les frontières. La GCI est une organisation à but non lucratif, fondée sur l'adhésion des jeunes citoyens actifs âgés de 18 à 40 ans. Dans plus de 100 pays, se consacre à la création d'un changement positif dans les communautés. Chaque membre de GCI partage la conviction que, pour créer des changements positifs et durables, nous devons nous-mêmes et le monde autour de nous nous améliorer. Les membres du GCI identifient les problèmes de leur communauté et créent des solutions ciblées pour créer un impact. En tant que citoyens du monde, nous avons tous des droits et des responsabilités, ainsi que des objectifs communs. Grâce à la citoyenneté interactive, nous prenons la responsabilité sociale de travailler vers les mêmes objectifs qui profitent aux communautés de le monde entier. Guidés par la vision et l'initiative de transformer leur vie et le monde, les membres du GCI ont le courage de répondre aux grands défis de leur temps. La mission de la GCI est d'offrir des possibilités de développement qui permet aux jeunes de créer des changements positifs. La vision de l'organisation est d'être le principal réseau mondial de jeunes citoyens actifs. La GCI est présente dans un pays comme l'Agence internationale de Maurice. La GCI Maurice fête cette année-ci ses 30 ans. 5 organisations locales sont affiliées à la GCI Maurice, dont l'Agence de Boissons-Rosiles, l'Agence de Sidus, l'Agence de Pierrefix, l'Agence nationale de Patrobaume et celui de la GCI de Pauli. C'est justement la GCI de Pauli qui organise la compétition de TYP cette année-ci. Le TYP permet de reconnaître officiellement les talents des jeunes gens qui excellent dans le domaine d'intervention et qui créent le changement positif. En reconnaissant ces jeunes gens, la GCI rehausse le statut des leaders socialement responsables de ce monde. Les lauréats motivent leur père à rechercher l'excellence et à servir les autres. Leur histoire de découverte, de détermination et d'ingéniosité inspire les jeunes gens à être de meilleurs leaders, à créer des meilleures sociétés. Depuis 1983, la GCI a nommé plus de 200 personnes, de plus de 47 nations. Les anciens bénéficiaires des récompenses comprennent les personnalités bien connues, telles que John Kennedy, Elvis Presley, Jackie Chan et beaucoup d'autres, toutes nommées avant l'âge de 40 ans et avant qu'ils aient atteint la célébrité nationale. Les personnes honorées sélectionnées dans le passé ont représenté les points culminants du progrès dans de nombreuses entreprises humaines. Beaucoup d'entre eux ont encore continué à de plus grandes réalisations. Ils ont tous continué à servir l'humanité. Les jeunes hommes et femmes peuvent être nommés dans une des 10 catégories. Les personnes honorées seront sélectionnées par l'équipe internationale, composée d'éminents membres. De toutes les propositions reçues, jusqu'à 10 personnes seront sélectionnées indépendamment de la catégorie du service.
Les membres du jury de la CDYP viennent habituellement des organisations partenaires telles que les Nations Unies et la Chambre de commerce internationale. Les jurys font également d'habitude des responsables d'entreprise et des responsables communautaires, des professeurs d'université et des membres du comité directeur de la LIC. L'évaluation se fait en deux phases. La première étape est un processus de présélection pour retenir les finalistes. Le dossier font alors finir un deuxième jury qui sélectionne 10 personnes à renouveler. Le processus de sélection est rigoureux et minutieux puisque tous les candidats sont des jeunes gens exceptionnels. Lors de trois jours, tous les jeunes mauriciens qui excellent dans le domaine des inventions sont âgés en 18 à 40 ans. Je s'inspire pour cette compétition afin que puissent être des modèles pour les jeunes exceptionnels. Merci. Merci à vous, Monsieur le Président. Maintenant, c'est le Président local de la justice pour lui, Gilbert Pellegrin, qui va nous apporter quelques mots. Madame la maire, Président national de la CI, membre du Bureau national de la CI, membre du jury, membres de la presse, les amis de la Jeune Chambre, mesdames et messieurs. La Jeune Chambre internationale de Pourny est une organisation non gouvernementale, anciennement connue comme la Jeune Chambre économique de Maurice. La justice de Pourny existe depuis 1984, donc, comme le président l'a annoncé, nous aussi, nous sommes en cette année. Depuis sa création, à ce jour, la Jeune Chambre internationale de Pourny a contribué au développement de notre pays dans divers secteurs et de divers façons en réalisant des projets allant de la lutte contre la pauvreté et pour renoncer le monde des affaires et des finances, que ce soit local ou international, et aussi concernant divers projets par rapport à la protection de l'environnement, surtout la lutte contre la perte de l'eau biodiversité. À travers nos activités, nous offrons des perspectives de développement aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs pour l'avancement du pays. Cette année-ci, c'est avec une plaisir immense que la CI de Pourny organise l'une des compétitions phares de la plateforme internationale, le Outstanding Young Person Award, qui a pour objectif de reconnaître les jeunes personnes qui excellent dans divers domaines. En fait, la CI de Pourny offre aux jeunes des opportunités de développement qui leur permettront de créer des changements positifs. Et pour cette année-ci, notre plan d'action pour l'an 2014 est de promouvoir les Well Individuals, qui a été mis sur place par les Nations Unies. Et notre cheval de bataille, durant ces dernières années, c'est une priorité pour le pauvreté gender, donc à éradiquer la pauvreté extrême, et Achieve Universal Primary Education, et le Environmental Sustainability. Donc, en quelques mots, concernant nos petites activités, nous sommes venus également à Bonnançon toutes les semaines, pour un projet qui s'appelle le GCI Education Program, et là-bas, nous soutenons académiquement des enfants de 3 à 17 ans. Nous offrons des cours informatiques aux habitants de Bois-Montan, des activités extrascolaires et sportives toujours aux enfants de cette localité, et nous donnons des opportunités de développement aux habitants de cet endroit, tout en suivant le développement infrastructurel de la localité. Donc le but qui est là-bas, c'est de donner une belle image à cette localité qui est très souvent mal vue par les êtres humains. Ensuite, effectivement, un autre projet que nous entamons cette année-ci, c'est un Green Corner for Every House. Donc, le but, c'est de promouvoir la population mauricienne, effectivement, à planter davantage et à, effectivement, combattre la perte de notre biodiversité. Autre projet à venir, ce sera une série de séminaires. Donc, le but, ce sera de trouver des solutions aux réseaux sociaux et notre société. On va terminer l'année effectivement aussi par organiser un semi-social. Donc là, c'est un appel à tous les autres ONG
ont décidé lors de ce pays de effectivement nous rejoindre et à participer dans ces élections locales en espérant trouver des solutions pour effectivement l'avancement de notre pays. Je laisse la parole à la société Côté qui va continuer à côté de dans le Dubaï. Merci à vous, Monsieur le Président, pour ces quelques mots. En tant que directrice du projet, je tiens à vous remercier pour votre présence. Le YQYP, The Outstanding Young Person, est un des projets forts de la justice. Ce projet permet de reconnaître officiellement les talents des jeunes gens qui exercent dans leur domaine d'intervention et qui créent des changements positifs. C'est une manière pour la justice de rehausser le statut de leaders sociaux responsables dans leur domaine. Elle honore chaque année 10 jeunes exceptionnels de 18 à 40 ans. Lancée la première fois en 1986, la 28e édition démarre aujourd'hui. Cette année, c'est la GCI Poly qui chapeaute le projet avec son thème prometteur « New Business, New Trésor ». Le choix de ce thème s'explique par le fait que nous croyons bien sincère que l'expression « les jeunes sont la lumière du pays » ne doit pas s'arrêter au stade du nous. Certes, nous n'avons pas de richesse lumière à Maurice, mais notre jeunesse demeure notre véritable trésor. Cette jeunesse qui travaille et qui excelle dans de nombreux domaines, c'est ce que le programme PYD 2014 vise à promouvoir. En mettant ces jeunes sous les feux des projecteurs, la justice veut encourager tout un chacun à rechercher l'excellence et à servir l'humanité. C'est ainsi que la GCI apporte sa contribution pour former les meilleurs leaders qui vont créer des sociétés meilleures. Dans le passé, les lauréats mauriciens de PYP ont été nominés au GCI The Outstanding Young Persons of the World. Pour n'en citer que quelques-uns, Daniel Atala, lauréate en 2011, Benimim en 2012 et Dedan Chiam en 2013. Nous croyons fermement pouvoir réaliser cette année avec le lauréat de l'édition 2014. À travers ce projet, la GCI de Maurice veut donner aux jeunes mauriciens la preuve que l'on peut briller et se faire connaître en aimant ce que l'on fait et faisant bien ce qu'on aime. Du 16 avril au 12 mai, les candidats pourront s'inscrire dans l'une des 10 catégories qui sont, moins citées, accomplissement, affaires, économie et ou entrepreneuriat, affaires politiques, juridiques et ou gouvernementales, leadership et ou accomplissement dans l'éducation, réalisation culturelle, leadership moral et ou service de l'environnement, contribution en faveur des enfants, de la paix mondiale et ou des droits humains, leadership humanitaire et ou bénévole, leadership scientifique et ou technologique, développement et ou accomplissement personnel, innovation médicale. Les catégories mentionnées peuvent être consultées sur le site pyp.gcimauritius.org. Et les candidats trouveront les 6 soutiens créés sur le site. À soumettre sur l'adresse email pyp2014@gcimauritius.org. Pour plus de renseignements, ils peuvent nous contacter sur cette adresse email. 5 finalistes seront sélectionnés par un panel de juges. Ils seront jugés lors d'une entrevue avec les membres du jury, qui éliront le gagnant ainsi que ses deux dauphins. Les gagnants seront récompensés lors d'une PYP Award Night et ce même gagnant aura l'occasion de participer au concours à l'échelle internationale et de représenter Maurice à la finale mondiale prévue en novembre à Leipzig, en Allemagne. Et moi, vous dire que nos remerciements vont à nous parvenir à la mairie de Pauville
KFC, Business Magazine, Bluefish, SG Finance et iFi. Si vous avez bien des questions? Bon, on y va après. Question, mais moi, moi, je vais C'est quoi les critères pour C'est avoir entre 18 et 40 ans. Et il y a les catégories que je suis mentionnées qu'on peut trouver sur le lien COIP 2014 à dtiknowledge.org. Il y a les 10 critères dessus. Ça va être des 10 champs d'activité. Auditeur vient au panel du juge dans le studio. C'est eux qui vont venir avec la liste du final. Ok, donnez-moi le nomination form que je dois remplir. Et là, il y a pas mal de questions. Je dois répondre par rapport à ça. Et à partir de leur réponse, que les juges vont analyser pour voir si ça passe par rapport à ce que nous recherchons. Et là, ils sont sélectionnés et ils sont appelés à venir à l'entretien. Et là, ils vont faire le choix. Et qu'est-ce que vous recherchez? Vous avez dit ce que nous recherchons. Donc, quel est le profil du gagnant ou des personnes que vous voulez participer? Des gens exceptionnels. C'est-à-dire? Les jeunes qui font du haut diplôme, les jeunes entre 18 et 40 ans, qui effectivement vont démarquer en faisant avancer la société. Donc, que ce soit dans le domaine très haut, dans quel secteur ils vont évoluer, mais ils font des choses qui font avancer la société. Est-ce que vous avez fait un suivi des anciens gagnants, ce qu'ils sont devenus, est-ce que l'image qu'ils ont projetée quand ils ont gagné, c'est la même image qu'ils ont maintenant, quelques années après? Il y a certains qui sont très bien arrivés, économiquement parlant, au business, en termes de business. Par exemple, si vous allez à la Grande Nord, vous allez voir un grand immeuble qui a été construit. Donc, c'est l'un des anciens gagnants du TOIP. Et puis, il y a d'autres, par exemple, celle en 2011 et celle aux USA aujourd'hui dans la recherche biomédicale, etc. Donc, chacun a fait son bonhomme chemin. Et la plupart aujourd'hui ont réussi dans leur projet. Ce type-là qui va permis, il a ouvert plusieurs portes à la suite. Si je peux ajouter, on a même sur l'international et des gagnants du QIP pour en citer tous ces présents, on a les gens qui verraient les délits, Elvis Presley, on a Jackie Chan, et je sais que tout le monde va connaître ces gens-là, alors il faut dire que ces gens-là aussi ont fait, ont profité. Ça a servi comme tremplin pour ces gens-là aussi dans leur carrière. D'autres questions, s'il vous plaît? J'ai maintenant l'honneur de vous présenter le poster de la compétition qui va être diffusé dans les médias et placé dans les endroits stratégiques afin d'encourager les jeunes à participer au Digital Workshop CYP 2014. Nous venons, nous faisons. Nous aimons les raisons parce que nous croyons dans nos jeunes et dans la jeunesse. Merci bien.